Parfait, on est de retour. I'm Captain Bosch. Yay, personne n'a réagi. Donc on va devoir faire ce petit jeu là où il faut récupérer des gens, il faut ramener des gens. Carreau simple. Alors, on a peut-être des trucs à vendre. Fragment d'os, on a 50. Il nous fait 10 000. Très bien. Après, je sais pas si on peut revenir là-dedans pour farmer. Est-ce qu'on se retrouve tout seul? Parce que les autres, bon, en théorie, ils sont pas avec nous, mais est-ce qu'ils nous rejoignent? Ouais, ça va, ils nous rejoignent. Donc on peut aller farmer si on veut. Bon, je pense pas que ce soit utile. Enfin, je dirais pas non, dans un sens. Genre farmer 10 minutes? Histoire de... monter un tout petit peu de niveau, genre qu'on soit tous 13, ça va bien. Je crois qu'on va devoir y retourner ici de toute façon. Non ? Juste vider le pont là. Très bien. Oh. Tiens bon, Fran. Attends. Ah merde, non, faut que j'aille là. Après, on peut faire fuir. Et aller sur le pont qui nous intéresse. Je vais aller sur le pont qui m'intéresse, voir si c'est possible. Ah! Ah, c'est ça qui m'intéresse. Ah, là, on a que des squelettes. Ouais, ça fait un peu mal quand même. S'arrêter à là. Ça devrait faire une AOE ou pas? Ouais. 3. Normalement, avec 3, ça fait une AOE à chaque fois. C'est le début. Après, bien sûr, l'AOE est de plus en plus puissante. Et je crois que les éléments sont basés sur. Ah, mais t'as plus d'MP en fait. Ouais, ça va être chaud de farmer en fait. Parce qu'elle est pas bien équipée pour récupérer des MP. 13, 13, 13.
Il y a un truc pour redonner des MP, mais je m'en rappelle plus ce que c'est. Enfin, après, elle, c'est pas une magicienne, donc elle a peut-être pas ça. Ou alors là, mais plus tard. C'est vrai que c'est pas une magicienne, hein, c'est un archer. Vous savez quoi, on va juste partir. Nickel. Il faudrait des super potions en fait. Ouais, on va se casser d'ici. Il nous faudrait grave de super potions. Ah, c'est moins facile hein, sans un vrai mage. Hein. Ouais. Là, c'est limite, ça sert à rien d'essayer de farm. Enfin, c'est très long et c'est très dangereux. Vous allez utiliser plein de potions. Genre, on peut... Ouais, non, c'est pas trop. On peut toujours pas acheter, genre... Genre super potion et tout ça. Non, il faut des gens. Don't listen to Andor's lies. Des endroits dans la ville où il y a. Il y a beaucoup de gens. Il y a des endroits. J'aime pas trop ce passage. Ah là, je crois qu'il y a pas mal de gens. Bosch lives. Pas mal de gens et personne qui réagit. Aïe 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 aïe. Eh mais vous pouvez pas vendre des potions les mecs? I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. Je sais pas si on peut le faire dans les boutiques. I'm the Bosch von Rotzenberg. On peut. I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. Faut vraiment être proche d'eux en fait. I'm Captain Bosch. N'importe quoi, c'est impossible. Alors, il nous faudrait là-bas. I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. La zone devrait être plus grande en fait. La zone de cri.
Ah merde! Putain, fais chier. Don't listen to Andor's lies. Faut pas crier à côté. Oh là là, ça va me prendre 5 plombes, quoi. Faut pas crier à côté de ça. Don't listen to Andor's lies. Ah, ça c'est le fun des vieux Final Fantasy. Don't listen to Andor's lies. Don't listen to Andor's lies. Don't listen to Andor's lies. Ah, c'est bien, on a la même ligne trois fois. I'm the Bosch von Ronsenberg. Après, il y en a qui augmentent plus les rumeurs là. Comme on a eu tout à l'heure, on est là. On est monté à 50. Je crois que c'est eux avec leur bouquin là qui donnent beaucoup. Celui-là là. Les guides. I'm the Bosch von Ronsenberg. On y est presque. Faire attention qu'il n'y ait pas de. Don't listen to Andor's lies. Soldat, sinon je vais pleurer. I'm Captain Bosch. Don't listen to Andor's lies. I'm Captain Bosch von Ronsenberg. Allez, on y est, dis-moi qu'on y est. 100%. Ah, le guide. Tu viens avec nous. This is the one, Havaro. Says he's Captain Bosch, he does. He would sooner pass for the king. I knew he were no captain. That was a mean trick to be playing. If a trickery it ended, it would end well enough. But why this boy? And why Captain Ronsenberg? An explanation is due, and I will hear it. The Empire's hounds grow passing bold indeed. A shame if they learnt the Marquis trafficked with the likes of you. Agents masquerading as guides, a hideout at the back of a tavern? Not exactly earning high marks for originality, are we? Now you've done Wait. It! So Bosch von Ronsenberg does yet live. So Vaughn really is all right. Un peu plus de cinématique. I didn't think I'd ever get to see him again. You will join him soon. And until then, I shall see that you are kept from harm. Thank you. I am troubled. The Rabanaster Imperial Guard appear to have overstepped their bounds. I intend to speak on this with the Consul. What? Vane Solidor, the Consul, is my brother. The first duty of the Consul is to maintain order in Dalmasca. My brother,
My brother is not one given to failure. Perhaps things aren't going as well as they might be, but give him a little time and he will put things to rights. Be not troubled. My brother is a remarkable man. He frightens me. Why? I'm sorry. He is your brother. It's just, you don't understand how much we lost to the war. My friends, my parents. So you fear the Empire? Listen to me. The men of my family, we are taught to place the needs of others before those of our own. I will see that you are kept from harm. It is my duty to House Solidor. But how? No, no, no. How can I trust you? Because I give you my word. My brother would do no less. I knew there must be more to it, but to find you at the end of this tale? Ah, to see the Marquis's face when he learns of it. I should like nothing more. I would meet him and see for myself. How say you, my lord? There is little to be said. I shall arrange a meeting with the Marquis. We shall expect you at the estate. C'est reparti, un peu plus d'histoire. J'avoue que là, ce passage un peu... Après, je sais plus trop ce qui va se passer. Je crois qu'on va se faire... attraper. Un truc qu'on devrait faire, c'est par contre, c'est acheter des magies, là. Parce qu'on a soin d'eux. On a quelques trucs à acheter, donc... Niveau équipement, ça va, mais il nous faudrait les soins, peut-être des gambits, voir s'il y a d'autres gambits à prendre. Ouais, on pourrait voir. Je vais voir. Vie, c'est pas mal. Enfin, oui, c'est important. Barrière bouclier. Il n'y a pas soin de... aller voir pour les gambits et en acheter quelques-uns. C'est loin les gambits. Ah non, peut-être des... Ah oui, des habilités aussi. Attends, habilité c'est où? C'est en bas. D'abord habilité. Et après... Concentration, voilà. Rends les PM et charge le mist au personnage qui est réduit à zéro, ou le réduit à zéro. Rends les PM et charge de mist au personnage. Ah oui, c'est une chance sur... Enfin, c'est peut-être pas une chance sur deux, une chance sur... Je sais pas. Deux chances sur trois, j'en sais rien. Où on va récupérer un certain nombre de MP. Au début, je crois que de toute façon, on a pas grand-chose. À part si... Je sais pas. Genre on récupère on peut acheter des éthers peut-être après, plus tard, dans les magasins. Donc du coup on en aura toujours 99, donc on utilise ça quand on a plus d'MP. Je sais plus exactement comment on va se débrouiller en fait avec les MP dans le jeu. Je sais plus du tout. On va devoir tous les acheter à un moment ou à un autre. Hein. Donc, j'aurais bien voulu qu'on puisse les acheter plus facilement. Hein.
Je sais pas pourquoi ennemis au PV genre à moins de 100 000, 50 et 10. Je sais pas pourquoi ils sont plus chers. C'est possible qu'il y ait quelques attaques qui utilisent ce système là, mais je suis pas sûr. Parce qu'en théorie, tous les gambits en fait sont utiles. Faut juste savoir quoi en faire. C'est juste ça en fait. Je sais, c'est un peu chiant, désolé, mais on est obligé. Plutôt on fait ça et mieux c'est. Ah, celui-là ils sont chers. Ah, genre sur l'ennemi, si les MP du personnage sont à moins 10% par exemple, ou égal. Donc du coup, genre, si on peut absorber les MP, genre on pourrait faire un absorb MP en fait sur l'ennemi, si nos MP sont bas. Ça peut être intéressant, ça. Ça, pareil, on pourrait faire des attaques, genre par exemple, si les MP du personnage sont plus haut que 90. Non, c'est l'inverse, je le lis mal. Si les MP du personnage sont plus petits que 90%, et là c'est plus haut ou égal à 10%, ok. Là on pourrait faire, je sais pas, une grosse attaque magique. Genre quand notre barre d'MP est pleine, bah on fait une grosse attaque magique. Des trucs comme ça on peut faire. Bon, par contre on verra ça pour la prochaine fois. Si on a plus d'argent. Alors, là. Par là. Oui, s'il vous plaît. Prêt pour l'audience, oui. Je crois qu'on va partir d'ici. Je sais plus exactement comment ça va se dérouler les événements. Sir Bosch von Ronsenberg. It was not so very long ago that I announced you had been executed. And that is the only reason I draw breath. So you are the sword he strung above my head. Vayne has left not a thing to chance. And? A leader of the resistance has fallen into Imperial hands. A woman by the name of Amalia. I would rescue her, but I need your help. This resistance leader, this Amalia, she must be very important. You understand, I have my position to consider. Je crois qu'on va la récupérer, Amalia, mais je sais. He's got my friend with him. I'm afraid you're too late. Lord Larsa's cortege has already rejoined the Imperial detachment. I am told they will depart for Rabanastar upon the arrival of the fleet this eventide. C'est pas le moment où on attaque les vaisseaux, peut-être? Et on va même combattre un juge ou je sais pas quoi. Peut-être un peu trop tôt, je sais plus. Si c'est ça, c'est fun. Ça, c'est fun. What are we waiting for? You to calm down. Captain Ronsenberg. Surely, the exigencies of position are not lost on you. Why, indeed, you should find the enemy's chains an easy burden to bear. Wait. Sorry, can't be helped. Summon the guard. Huh? There
prepare to be taken to Judge Geese. Yay. Ouais, on va être dans le... Je suis quasiment sûr, on va être dans le vaisseau. Those decrepit basking fools in Arcades tie my hands and look what happens. I tell you, this country's obstinacy knows no bounds. The insurgents in Rabanasta operate alone at present. However, should they garner external support, the situation could worsen. We have found the counter-imperial elements in Bujerba to be conspicuously well-funded. No doubt Marquis Ondor is behind this. Ondor must be reined in. By the way, the Marquis has written us a letter. He claims that he's recaptured our runaway. He's given him to Geese. He will die by my hand. Your fraternity is moving. Ah! Geese returns with Larsa. Tomorrow morning they will leave Bujerba. See him home safely, Gabranth. Now I'm expecting Dr. Sid. You may leave. We must see the real thing to be sure. Nabadis taught us much. Yes, it's well hidden. They'll be off chasing after shadows, the fools. Ah, yes. The reins of history back in the hands of man. Ah, Vane. You seem to be enjoying your job as consul. I was kept waiting fully 2 years. What news of Arcades, our honored members of the Senate? Hard at work, as always. Trying to find a dagger for your back. They are welcome to try. Ah, on va avoir encore un peu plus d'histoire, hein. Ça a duré un petit moment. Ah, là, il fait un peu plus adulte, Van, je trouve. Dans les cinématiques. Je sais pas pourquoi il y a des épées devant les vaisseaux. Sûrement de la décoration plus qu'autre chose, parce que... Je vois mal foncer dans un autre vaisseau. Le Léviathan. The prisoners, my lord. Leviathan. Majesty. After what you've done, how dare you? No, no, no. You're supposed to be dead. Come now, come now. Have you forgotten your manners? This is hardly the courtesy due the late Princess Ashelia Benargin Dalmasca. Je crois qu'on va le combattre, Geese. Princess? To be sure, she bears no proof of her former station, no different than any mean member of the insurgents. The resistance. His Excellency the Consul asks the Ministry of the Disthroned Royal Family in restoring peace to Dalmasca. Those who foster instability and unrest, who claim royal blood without proof, they shall meet their fate at the gallows. There are no exceptions. I will not play puppet to Vane. King Ramanas entrusted me with a task. Should the time come, he bade me give you something of great importance. It is your birthright, the Dusk Shard. It will warrant the quality of her blood. Only I know where to find it. Wait! You took my father's life. Why spare mine now? You would have me live in shame! If that is your duty, yes. Stop being so stubborn. Keep on like this and you're gonna get us all killed. Don't interrupt. Oh, le gosse, tu as fermé. Vaughn, that stone. It was in the palace treasure. Well, well. Splendid. You brought the stone with you. This spares us a great deal of trouble. Don't give it to him!
Ouais, on n'a pas trop le choix, hein. On est prisonnier. You have to promise. No executions. Mais... A judge's duty is to the law. Take them away. My lord. Lady Ash is to be quartered separately. On peut pas demander des choses, hein. On est prisonniers, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Non mais... Vain Solidor, what fascination does this hold for you? So you were carrying it all along. The Fates' jest. Tell these Fates of yours to leave me out. Keep quiet! There was nothing else that I could do. You know that. Oh, I understand. Honor, duty, and all that. I still can't believe that was a coincidence. Keep quiet! Parti! Hop là! Il y a lui pour nous aider. The Marquis has been busy. Not lightly did I beg his aid. Listen, it's been a full 2 years. I alone have kept Her Majesty safely hidden. I doubted friend and foe alike. I could trust nobody. You did your duty, and mine for me. I'm getting her out. I need your help. Of course. Vossler se joint à votre groupe. Une carte du Léviathan, on peut maintenant consulter la carte complète de la somme. Ok, c'est parti. On va sauvegarder d'abord avant que je fasse de la merde. J'aime bien aussi le fait que le jeu vous dit si on peut pas partir de la zone ou pas pour le moment. Donc du coup, en gros, c'est pour vous dire de faire une sauvegarde d'ailleurs. Alors, lui il est niveau 17, c'est bien. Permis, 126. Alors, un peu. C'est pour l'équipement. On peut prendre niveau 3 parce qu'on a déjà des équipements. Cercle de vin. Pourquoi la serpe de vin elle est à 125 pp ici? Là elle est à 75, la 100. Tiens, c'est bizarre ça. Je sais plus comment ça fonctionne. Il y a un truc que je dois oublier en fait. Sûrement. Premier soin. De Gambit. Pourrait aller au... Extermination. Pour Bash. Contre la chance de part avec un bouclier, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas où aller avec elle. Ah, c'est chiant. Ouais, je pense qu'on va faire de ce côté-là. Tu peux... Tourmaline. Résistance, glace, immunité, poison, nécrose. Ouais.
Ok, c'est pas mal. On va jouer avec un peu... avec Bash. Avec Bash, ça devrait y aller. Ça devrait bien fonctionner, il fait mal. Enfin, il résiste surtout. Wait. A word of caution before we set out. See that red web of light spanning the passageway? It is a mechanism to detect intruders within the ship. Break one of those beams and an alarm will sound, summoning the guard. The alarm should cease after a time, but it's better to avoid drawing unnecessary attention. Come, Her Majesty awaits. Alors, on peut... Ils sont pas à l'infini, si je me rappelle bien. Donc on peut faire une alarme et tout. Par contre, est-ce que j'ai bien mis le gambit pour Bash de taper? Non, faut taper ce à 100%. Comme ça, on n'a pas le problème avec... Ça, on n'a pas vraiment besoin. Ah oui, qu'est-ce qu'on on change le gambit là pour la potion. Genre on met super potion à la place. Fallait que j'achète ça là, les... Comment ça s'appelle les différents PV là. Hop là. Là on a que 30%, c'est nul. Il y en a beaucoup quand même. Tuer tout le monde en fait. Ah, derrière. Je pense qu'on aurait dû sûrement mourir en fait. Avec la vague qu'on a eue, mais on a survécu. Utiliser mes attaques là, mais comment ça s'appelle, les attaques spéciales là, mais bon, après ça met quand même pas mal de temps à se charger. Chaîne de mine. Je vais insérer la clé d'accès. Baltière est super long. Ça parce que
sont un peu beaucoup quand même. On aurait pu faire le niveau 1 en fait. Ah, j'aime bien le choc ténébreux, il est classe. On en a fait 3 pourtant, non? Ah, il fallait faire peut-être 3 niveau 1. Il fallait faire peut-être 3 niveau 1. Et pas 2, 1, 1. J'aime bien comme il tient son épée, l'autre. Volsa. Alors, on a là... Un porte est verrouillé, il doit exister un solide de corne sans ouverture. Okay. Il nous faudrait un je crois qu'il y a un marchand dans le vaisseau. Ouh, je sais pas. Aïe aïe aïe. Merde. Fear not their numbers. Take down the leaders and the others will follow. Ouais, mais pas prêt quoi. Quelques-uns quand même. Très bien. On a volé. On a volé. Antidote. Très bien. J'aime bien cool la musique des boss. Elle est vraiment sympa. Ouais, moi je balance une épée dans le sol, ça plante et tout. Trop fort. Ça c'est fait. Clé du bloc niveau 1. Enfin, numéro 1. Ah, on a slow. Lenteur. Ah oui, on a cécité aussi. C'est ce que je pensais. Alors. Bloc numéro 1. Je crois que c'est pour sauver Amalia. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait un vendeur. Allez, on fait du commerce. Eh ben, Coupo, t'as plein de trucs. Putain. Ah ouais, c'est... Ah ouais, d'accord, j'ai un peu oublié le fait que... J'ai un peu pas d'argent. Quelle merde.
plus l'accès au système. Ah, elle est là. You are unharmed? Vossler, I... Majesty. It's nothing. I'll be fine. You. Come on, come on, let's go. What are you waiting for? Panello's still out there. We should hurry. They won't be long. We will talk later. Parfait. H. Est-ce que... Ouais, du coup, elle a rejoint le groupe. Alors, permis. Alors, on va prendre 5 minutes. Alors, du coup, il faut que je regarde ce que j'avais mis pour elle. Je crois que c'était mage blanc et mage rouge. Mage blanc et mage lame rouge. Après, il y a le chronomancien qui est pas mal aussi. Mage noir, bon, c'est pur dégâts. Chronomancien, c'est pas mal. Chronomancien, ça utilise quoi? Magie temporelle, armée d'arbalète, capable de manipuler le temps. Ouais, même ça, c'est bien pour Pénélo, en fait. C'est pour ça que j'avais pas... Mais ça serait bien pour H aussi, j'avoue. Parce qu'elle a des trucs sympas, je crois. Genre pierre glas, ouais. Célérité 2. Après, on a mage lame rouge. Ça dit quoi le mage lame rouge? C'est polyvalent, manie les masses, capable d'user des sorts variés. Magie arcane offensive, quelques sortes de magie blanche et noire autre. Alors, je vais voir ténèbres. Voix sérum. Ouais, c'est plus de la défense. Les boucliers. J'ai pas vu grand chose. Ah, voilà. Pur, chair, mort, ténèbres 3. Saignée, paradoxe. Feu, poison, foudre, glace. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Pourquoi certains peuvent pas... Genre là, il n'y a pas de passage, en fait. Donc, je comprends pas comment ça marche. Ah, c'est peut-être quand on a les invocations, je sais plus. Soins de vie... Et après, t'as le mage blanc. Mais je pense que je vais garder ce que j'ai fait dans ma sauvegarde avant. Ouais. Non, ça va être un mage rouge et blanc, en fait. Ça va être un mage rouge et blanc. Pénélo, ça va être un chronomancien et magie noire. Donc temporel et attaque. L'autre, c'est un peu des deux avec le mage rouge, là. Et avec le soin, parce que ça va être elle qui soigne. Mais pour le moment, on va prendre donc mage lame rouge. Ouais. Très bien. Alors maintenant, on a plein de points à mettre. Concentration, mais on l'a pas. On l'a acheté, concentration? Oui, on l'a sûrement. Donc ça, là, c'est des harnais. Est-ce qu'on peut récupérer? Ouais.
Voix sérum, étoile du Nord. On va aller pour récupérer étoile du Nord. Attends. Après, pour faire beaucoup de gambits comme ça, parce qu'à des moments ça va être un peu long, peut-être que je couperai et je les ferai moi de mon côté, puis après je montrerai. Parce que c'est vrai que de réfléchir et tout, ça va me prendre au moins une 20 minutes à faire. Bon, c'est pas énormément long, mais bon, c'est un peu casse-couille parce que ça va prendre sur le temps de la vidéo, donc c'est un peu bof. Perdre de récupérer en subissant des dégâts. Donc là, on a miroir inaction, barrière bouclier, très bien. Au silence, soin de vie, leurre, l'huile. Leurre ? Leurre, c'est pour le mettre sur quelqu'un, je crois, non ? Mort, ténèbres, saignée, air pur, chair, succession. Voilà, il y a plein de magie. Lenteur, inertie, c'est bien. On va prendre ça, la masse, l'équipement, permis 2. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Permis 3, augmente l'impérial champ de dégâts magiques. Donc les PV. On va aller chercher les magies, je crois. On aura 60. Colère. Il nous faudra un peu plus de lignes de gambit aussi. Je vais faire une pause ici. Donc masse de bronze, la targe tu peux plus l'équiper, quoique non si en fait tu peux l'équiper, l'équipement lourd, donc 34 de magie, 37, voilà Kilim et top cap c'est bien, top cap, un brassé d'acuité mais ça sert un peu à rien. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas de... Pas grand-chose. Alors, c'est parti. Alors déjà, en magie. On a soin. Vie, elle a vie. Elle a vie. Ok, donc soin... Quand allié est en dessous des 40%. Après vie. Aller dans un coma. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vision, voix, sérum. Alors ça, je crois qu'on a... pas besoin de mettre quand genre quelqu'un a l'altération cécité. Je crois que si on met allié, ça suffit. Elle va le faire automatiquement, je crois bien. Mais bon, nous on a l'altération d'état en gambit, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Parce que cécité, c'est chiant. Après, bon, barrière et bouclier, bon, c'est bien, mais... Ça va la faire caster en fait super souvent quoi. Donc genre dans le coma en premier. Aller au PV à 40%. Ça on s'en fout. Ça en dernier. Cécité. Hop. Là on peut mettre quoi? Les terres, il n'y en a que 3, donc on va pas le prendre. On peut mettre barrière aussi, mais bon. Encore une fois, elle va faire que spammer les buffs. Sérum, on va mettre sérum.
pour le foison. C'est ouf. Sommeil, confusion, poison. Non, c'est allié. Voilà. Ah oui, après elle a... Attends, parce que... Fais voir... Est-ce qu'elle a l'habilité, elle ? Concentration, non ? Oui, alors ça serait personnage... MP en dessous de 30%. Enfin, honnêtement, je crois que je devrais être mieux. Je devrais faire mieux. Je devrais faire plus bas, pardon, putain, oh là là. Concentration. Et on n'a pas plus bas. Bon. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Vous voyez que là, on a perdu... Enfin, j'ai fait quoi, 5-6 minutes. Juste de... De gambit, donc voilà, si jamais on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de pp et tout ça, je ferai une pause et je ferai ça hors vidéo parce que sinon c'est trop long. On va continuer un peu avec ça, avec eux, et après on changera, on prendra H dans l'équipe, à 174 MP, c'est cool. On prendra H un peu dans l'équipe pour faire le boss surtout, je crois. À la prochaine, ciao ciao.